re-YouTube. Si toi aussi tu trouves que Final Fantasy XIII mérite un 20 sur 20 sur jeuxvideo.com, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu dans 10 minutes et dans, dans 13 minutes. FF13, normal. Alors, on y retourne. Alors là, évidemment, j'ai tout oublié. En vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Ah si, on est arrivé dans cette salle où la musique avait disparu. Y a-t-il un boss? Que se passe-t-il? Alors... pause blo. Final Fantasy XV que j'ai pas touché, hein. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est le problème de Final Fantasy... Mon Dieu! Parle-moi de tes rêves. Parle-moi, je te crois. Parle-moi de ce père. Il bat tant de fois. Bon, il a pas l'air content, Jackie. Oh putain. Oh d'accord. Ah oui, la shockwave, je m'y attendais pas. Bouge ton cul, bouge ton boule. Oh, je tourne en rond. Oh, je tourne en rond. J'ai pas le temps de me healer. Mais oui, mais comment je me heal? En fait, on va oublier. Tout se passait bien jusqu'à ce que je décide de faire le héros. Du cul. Ok, ça c'est cool. Ouf. Ah merde, j'ai plus de mana, ok. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Arrête d'anticiper autant. Ah oui, par contre, oui, il a quand même un minimum de portée. What? Non, il est pas mort, c'est pas possible. Ok. Wow! Oh là là, j'ai trop fait le fou, C'est un sbire, he's okay. Bon, évidemment, pendant ce moment-là aussi, on avait le temps de se soigner, j'imagine. Ah merde. Va. Allez, trois fois, troisième phase, c'est là qu'il meurt. Ou est-ce qu'il a une phase 2? Et là je suis pas content, on a déjà vu une phase 2. Est-ce qu'il a une phase 3? Ça on connaît, c'est la phase 2. Pas mal. Surprenant mais pas mal. Putain, mais vas-y. Oh non, on va encore tomber. Tu vas encore tomber. Oh putain. City Crest. Ok. C'est encore un charme du coup? As an insert on the back that would fit into a slot. Oui, ça rentrerait dans un slot. Et donc il y a le signe de la capitale. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que tu fais là? Parle-moi de tes rêves. Il revient, on le suit. D'accord. Tape son arme. Ouais. Ok. OPSP? Qui fait une OPSP? Ah d'accord, non mais non, on a parlé des OPSP qu'on fera. Bah, si on me payait pour jouer à ces jeux indés là, moi je serais content, hein. Parce que pour le coup, c'est du grand plaisir. Ça, c'est des jeux qu'on stream par défaut. Oh putain! Ah bah oui, forcément! Tout dragon a un trésor. Bon, même si là, ce n'était qu'un sbilu. Sbilu! Ah, mais on est retombé. À quel niveau? Je voulais pas retomber là. On est retombé au niveau du gros mob de tout à l'heure. Attendez, avant de monter. Qu'est-ce que c'est là? C'est. Voilà.
Putain, je trouve trop de trucs. Désolé, je t'ai loupé. Si jamais tu te sens perdu, pourquoi pas aller à notre magasin à Dirtmouse et acheter une carte de cette région. Disponible dès maintenant pour un excellent prix. Père Cafard. Ok. Ouais, on l'a bien défoncé. Bien défoncé, Premios, bien défoncé. Est-ce qu'on a un raccourci pour retourner à la ville? C'est peut-être ça, l'histoire du City Crest. À utiliser sur un banc. Baladons-nous un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god! On peut déjà se reposer là. Ah d'accord, le City Crest a absolument rien à voir. Ah non, il faut le mettre quelque part. D'accord, faut juste, oui, c'est à insérer quelque part. Telle une olive. Coucou, ça fait 3 ans qu'on tous les mardis soirs, on te regarde défoncer avec un pote. Et du coup, sub. Ah, merci Nayuru. Profitez. Mon dieu, c'est le chaman escargot. Oh oh. Ah, oh, qu'est-ce qui sort de l'obscurité? Oh mon dieu, tu as l'air sombre. Tu as l'air sinistre. Un visage vide et étrange. Et une arme qui a l'air redoutablement mauvaise. Quelque chose d'important. Oui, t'as attiré vers le cadavre de Alonest. Mais je ne te demanderai pas quoi. Peut-être que la raison pour laquelle tu m'as trouvé est que tu as besoin de mon aide, tout simplement. N'en dis pas plus, mon jeune ami. Je vais te donner un cadeau. Un sortilège des plus méchants que j'ai créé. Il sera parfait pour un petit être tel que toi. Oh, oh, oh. Oh mon dieu, on a un spell. C'est la magie. Magie, magie. 43 ans couroués, bravo. Romy joue au jeu également, c'est les 43 ans. Nous avons consumé l'âme, l'esprit vengeur. Alors, il faut tapoter le bouton B, contrairement à laisser appuyer pour le heal. Pour relâcher l'esprit. Alors, c'est un family qui reste avec moi ou c'est un one shot? Ça doit être un one shot. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oh, oh oh, tu t'es enfin réveillé! Désolé. Peut-être que j'aurais dû te prévenir de la puissance du sortilège. Je te regardais pendant que tu dormais. Mais il semblerait. Que moi aussi je me suis endormi, quoi. Maintenant que nous sommes réveillés, je me demandais si tu pouvais me rendre une petite faveur. Pas comme remboursement de mon cadeau, bien sûr, mais simplement parce que maintenant nous sommes des amis. Motherfucker. Eh oui, Romy. Tu vois, une horrible grande bête a fait du cœur de ce temple sa maison. Quel manque de respect! Je serais assez reconnaissant si tu pouvais t'aventurer plus profondément et lui casser le cul. Oh, c'est une créature hardie, mais avec ton nouveau pouvoir, oui, tu devrais n'en faire qu'une bouchée. Et bonne chance avec cette petite faveur, mon ami. Enculade. Ah d'accord, c'est ça. Alors fais voir. Paf! Ah oui, tout de même. Est-ce que je peux utiliser vers le haut? La réponse est non. Très bien. On s'est fait sbirifier par le chaman escargot. Putain, c'est boué. Ah, les Marseillais ont repris. Ah, hommage aux Marseillais. Mais y'a pas Kim, alors c'est nul. Mais je comprends pas. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu. C'est un mini Bernard Tapir. Alright. Il semble qu'il était invincible hein, quand il se faisait son roulé-boulé. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On revient là? Parle-moi de tes rêves. Ah non. Ah si, non, d'accord, on lui fait du dommage. Donc c'est 3 coups, whatever. Mais on peut lui faire ça aussi. Paf! Oh putain, ça démonte tout. Oh my god. Mais je comprends pas. Hein. Ah oui, c'est vrai. Très bon. My god!
Salut Nakmes. Ah, désolé. Putain, on n'a pas les notifs en plus, donc oui. Oh mon god, oui. Putain, petit décalage shop, c'est l'analogique ça. C'est pas fait pour les vieux messieurs. Putain, on le voit tellement pas. Ah oui, d'accord, il faut enchaîner. Faut pas se poser de questions en fait. T'as le droit de te tromper, mais t'as pas le droit d'hésiter quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans les anges du coup. Putain, faut suivre. Oh putain, et Tech il est parti à Tours. Faut que je récupère les rushs de. Du Honor Gaming Trip. J'ai une envie récemment, ça m'a pris comme une envie de chier. Mais il faut toujours que je fasse le générique. Imitation des anges. Non, imitation des ch'tis. Les bolos à LR. Bolos à LR. Motherfucker! Ah! Mon dieu! Ok. La sphère rabotée. Ah, de beaux souvenirs. Bon, du coup, on discute, mais je sais même plus où je dois aller. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est là où on a les cœurs bleus. Les cœurs blancs. Oh putain, échec. La gaffe, la gaffe. Ah! Souvenez-vous, hein, avec émotion, de la version Amiga des aventures de Mokhtar, starring Vincent Lagaffe. Bien sûr. Et sur la version Amiga, à chaque fois que vous récupérez la lettre M, le signe de la lettre M, eh bien vous avez un sample de Lagaffe qui dit Lagaffe. Voilà, mais c'est pour ça, voilà. C'est une des valeurs ajoutées de ce stream. C'est qu'on a des anecdotes sur des jeux vidéo, voilà, que certaines personnes ont oublié ou n'ont pas connu. Échec de la quête. Comment ça? Mais pourquoi je tourne en rond? Je tourne en rond. Ah, mais je peux aller là? Motherfucker! Il y a clairement un truc, mais il me faut le double saut. Ok, bon. This way, Alain. Oh, ça y est, on discute et je me suis perdu. Ah oui. Donc, en bas, mais à gauche. C'est ça, on discute télé-réalité, donc forcément, le cerveau fond par là. Ah, Bernard Tapir, on peut le tuer qu'avec la magie. Ah! J'allais dire comment je récupère la magie, j'ai ma réponse. Grâce au micro Bernard Tapir. Mais motherfucker! Putain, bonsoir mademoiselle quoi. Ok. Oh là là, Bernard Tapir, il m'a mis la misère. Ok, cassons pas ça tout de suite. Là voilà, ça aurait été dommage. Soul Catcher. Soul. Soul Edge. Utilisé par les chamans pour récupérer plus d'âmes. Haha. On récupère plus d'âmes si on tue un ennemi, quand on tape un ennemi avec notre épée. Bah, volontiers. Ah bah! Raclure de Bineman, c'est bien foutu. Oh oh, mais oui, tu l'as fait, bravo. Tu as battu la bête. Pauvre petite chose. Oh, elle a dû être terrifiée de toi. Elle était assez docile, mais l'air rance de ces cavernes dégueulasses l'ont remplie d'une espèce de rage mystique. Mais tu as fait ce que tu devais faire. Oh, tu as toute ma gratitude. Évidemment, nous savons tous les deux que tu n'aurais pas réussi cela sans mon sortilège. Oh. Sac à merde. Regarde! Et le portail entre nous s'ouvre! Oh, c'est bien foutu! Allez, salut, hein! Quelle raclure de bidet! Ah, mais du coup, ça tombe bien, il y avait ici même le banc. Ok. Non, mais. Voilà. Hop, hop. Hop! Bah, quoi? Ah, mais oui, parce que j'ai que 3 slots! Bah je mets le truc pour récupérer les âmes, hein, je suis un ouf. Il faut qu'on aille, il faut clairement qu'on retourne à la maison. Si on retourne à la maison,
On pourra acheter les cartes et sûrement upgrader notre perso. Let's go back to the maison. Mais c'est où la maison? Ah mais oui, parce que c'est chiant. Là on allait à gauche, on arrivait au nouveau monde avec... On a la note de l'autre qui nous dit « Ah ouais, n'oublie pas de revenir à... revenir à la ville parce que t'es dans la merde. » Y'a pas une chaîne là qui nous ramène? Ça serait tellement bien. Ramenez-moi. Ah, ah, ah! Ah mais oui! Oh my god! It's the way to the maison! Oh my god! It's okay. J'ai arrêté King's Quest. On a terminé King's Quest. Sur YouTube d'ailleurs. Il faudrait continuer, oui, King's Quest 2, machin. Mais c'est les angoisses, hein. C'est-à-dire, King's Quest 2 et 3, visuellement, c'est à peu près la même chose. Et c'est, il va falloir refaire des cartes pareilles. Donc, c'est toujours le problème, en fait, de ces streams-là, de mes streams en général. C'est que, c'est comme le manque de respect, vous voyez. C'est, vous faites une vanne, elle est marrante, tout le monde s'amuse. Mais ensuite, la question se pose, est-ce qu'il faut continuer ou faut l'arrêter? Parce que King's Quest, faire la carte et tout, c'était très drôle. Mais est-ce que ça sera à nouveau? Est-ce que même moi, je vais m'amuser ou je serai au bout de ma vie? Autant de questions sans réponse. Par contre, c'est Police Quest que j'aimerais bien commencer. Mais là aussi, la question se pose, est-ce qu'il faut faire la version qui ressemble à King's Quest? Avec juste des commandes textuelles, qui a priori est la meilleure en termes d'énigmes, mais qui est visuellement dégueulasse. Ou le remake... Comme le remake de King's Quest qu'on n'a pas fait, on est passé par la vieille version. Qui est plus avec une allure de point and click traditionnel et des graphismes en VGA. Plutôt que les graphismes en EGA de base. Oui oui, non mais on va finir Gabriel Knight d'abord. Red Dead Redemption que j'ai hésité à continuer ce soir mais j'avais envie de refaire... C'est bien quand on me présentait qu'un seul jeu. Donc il va falloir que je refasse un reskin définitivement, voire même repenser le truc. Mais représenter au moins un nouveau jeu par semaine, ça serait sympa quand même. Ah! Voilà la femme de Père Cafard. Ah, pas pour nada. Ah, tu es venu acheter une carte, n'est-ce pas? Ah, c'est vraiment avec mon mari que tu devrais traiter. Mais quelle surprise! Il est encore parti en bas. Des fois, il revient par ici pour me donner de nouvelles cartes. Mais j'aimerais bien qu'il passe plus de temps ici avec moi. Je m'en fous, moi, de vendre des trucs. Génial ta vie, Ghislaine. Alors, ah, le compas, nom d'un cul. Hautement recommandé. Si tu as du mal à te repérer dans le labyrinthe, tu pourras. Bah oui, ça m'indiquera où je suis. Clairement, il faut qu'on prenne ça. Hein. C'est l'investissement de votre vie, parce que sinon, on va se faire chier. Tyranny, je l'ai installé. Mais on va pas commencer Tyranny alors que... Il y a Gabriel Knight et Red Dead Redemption. Et c'est peut-être ce jeu-là, du coup. Tu auras besoin de ceci si tu veux mettre à jour ta carte avec les nouvelles zones que tu explores. Quoi, c'est moi qui vais devoir annoter ma carte ou ça va annoter, du coup, automatiquement ma carte? Utilise ces petits badges... Ah, pour marquer les endroits intéressants sur ta carte, en fait. C'est pour annoter sa carte, ça. Il a designé ses badges pour repérer où sont les sources chaudes. Ah non, ça les rajoute sur notre carte, en fait. Quoique, celui-là, c'est pas clair. Je crois que ça, c'est nous, mais ça, c'est automatique. Ces magnifiques cocons bleus. C'est pour pouvoir les repérer. Bon, on achète quoi. Oui, non, en fait, on achète des trucs pour annoter notre carte là. Mais attends, mais il était censé. Il disait qu'au magasin il y avait la carte de la nouvelle zone. C'est absolument pas le cas. Ah, d'accord, Zephyr, ok. Par contre, Pillars of Eternity 2, on le fera. Hein. C'est sûr. Ah d'accord, merci.
Aldarx. Oui, bon, on va acheter ça. Pour l'instant, on n'a rien de particulier à acheter. Au pire, on farmera comme des sbires plus tard. Il me manquait un truc. What the fuck? Ah, mais donc, il y a aussi des vendeurs dans le truc. Putain, je suis en train de tout acheter. Et après, ça se trouve, on a vendu une arme craquée ou un sortilège que je pourrais pas acheter. Ok, donc... A priori, maintenant... J'ai une meilleure carte. Ils ont annoncé un Pierce Divinity 2, oui. Divinity 2, ouais, mais j'ai pas fait le 1. Mais attendez! Me dis pas que c'est des trucs que je dois équiper. Sinon, je pète une durite. Non. Ah oui, merde, faut que j'équipe le compas, absolument. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a rien encore. Il était où le premier banc? C'est parti, amnésie marne. Ok, on va retomber. C'est bon, je me souviens, je me souviens. On va avancer. Oh, Mongoloman. Mongoloman. Très beau jeu en effet. Salut, Emily. Et King's Quest 2. Ben, on en parlait il y a 2 secondes, Jean-Michel Pipo. Et c'est pas sûr. Je trouve Tyranny. Alors, moi, j'ai lu que Tyranny avait beaucoup de texte aussi. Purée de texte, mais mieux écrit. Et puis, déjà, on évitait la case. Des textes inutiles des backers hein, qu'on a dans Pillars, me semble-t-il. Mais de toute façon, bah. Dès que vous jouez à un RPG occidental, et surtout là pour véritablement un RPG dans la tradition du RPG papier, c'est obligatoire, vous allez vous taper des tartinets de texte. Il n'y a pas de monde où vous n'allez pas vous taper une tartinée de texte. Donc, c'est ainsi. Il y a Torment aussi, ouais. Tyranny est sympa, mais il y a beaucoup de texte. Ah bah, écoute. En même temps, dans Pillars of Eternity, il y a beaucoup de texte. Mais comme je vous l'ai dit, hein, là, regardez. Ah non, on va pas faire la capture d'écran, mais on l'avait fait pour... Pillars of Eternity. Mais là, déjà, entre le premier épisode de Gabriel Knight, le deuxième et le quatrième... Les vues font div 4, div 8, etc. Dès que vous commencez un jeu où voilà, il y a du texte et on est posé, les gens se font chier et vous le font savoir. Alors il y a quelques gens fanatiques qui adorent ça. Moi j'aime bien hein, streamer ces jeux-là, mais faut pas faire que ça. Sinon bon bah voilà, on ouvre notre petit club de bridge et puis voilà, ça restera très confidentiel. Retourne chez le Audrey Tatou. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Audrey Tatou qu'on pouvait pas tuer, mais maintenant on a le sortilège. Ah ouais, mais where is the Audrey Tatou, quoi? Ah! Et regardez, ma carte est annotée. Alors c'est quoi les bleus, déjà? C'est censé annoter quoi? Ma bite est un volcan? C'était censé être quoi, là, les gens? Putain. Poisson rouge, man, j'ai acheté un truc, je sais même plus ce que c'était censé être. Les boss? On l'a battu. Si c'est que ça. Non, ça serait plutôt là-bas. Ça serait plutôt à droite. Écoutez, vous inquiétez pas. Ah oui, mais c'est là où il était. Putain, je suis con. Amnésie marne. Le couloir au milieu à gauche. Les cocons, les cœurs bleus. Les cœurs blancs. Ah. Ah oui, cocoon. La cocoon. Ah, vous voyez, j'ai bien fait de mettre la musique de Fang. Le parallèle avec FF13 est encore criant. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est les sources d'eau chaude. Mais alors les sources d'eau chaude, c'est... Oui, c'est juste pour les bancs. Elles n'ont pas de propriété particulière. Attendez, alors à gauche, on pouvait y aller ou pas? On voit clairement qu'à gauche, c'est Uncharted Territory. Bah là aussi, d'ailleurs. Alors ça se met à jour ou ma bite? Voilà, la réponse est claire. Sans équivoque. Oh my god! Alors, est-ce qu'il y a des pièges, des mimiques? Est-ce que je vais me fâcher?
Moult ressources, les petits amis. Cat Lady, c'était sympa, oui. La Cat Lady, mais pareil, je l'avais dit. À la limite, je pense que Cat Lady, typiquement Downfall, le prequel de Cat Lady, je me demande si je le ferais pas en... Je sais pas, si je le ferais en... Quoique je pourrais le refaire en français. Mais l'avantage de le faire en anglais, c'est que ouais, on était, je restais vraiment totalement dans le truc. J'avais pas besoin d'en faire des caisses. Dès que je joue en français ou dès que je m'exprime en français, Mister MV prend le dessus. Mais Cat Lady, ouais, c'est un excellent jeu. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié Cat Lady. Oh mon dieu! Ok. Une fois que je reviens à Ban, la carte se mettrait à jour seulement à ce moment-là. Ah! Étudions cette théorie immédiatement. Donc là, on a vu vite fait là, la zone en bas à gauche, là, brièvement. Ah oui, map updated. En effet! Très très bien. Un très très bon. J'avais parlé de Nioh, ouais, mais j'ai parlé beaucoup de choses. Mais non, par contre, oui, ça c'est la réalité. Bah tiens, plutôt que de faire Zelda, alors il y en a certains qui vont être en PLS. Mais oui, on avait parlé aussi de faire les Souls. Parce que c'est un grand trou d'inculture chez moi. Je n'ai pas fait les Souls. J'en ai vu des bribes par-ci par-là. J'ai vu des potes jouer à Demon's Souls, machin. On avait fait la soirée, la découverte Dark Souls 3 chez Gamilla avec Yamato, mais. Mais je reste assez ignorant sur le sujet. Enfin, j'avais quand même m'étais fait chier à analyser, à noter à l'époque. J'avais quand même commenté Demon's Souls. C'est un bon spin man d'ailleurs. Hop. Mais oui. Il faudrait que je fasse tout ça, quoi. Même Karate a réussi les Souls. Oui, par contre, faudrait éviter. J'aimerais bien les faire en solo. Éviter la spérification. Prendre Mathias avec. Faudrait éviter d'appeler tout le temps Mathias comme dans Bloodborne. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est énorme. Paf. Pas d'embrouille, hein. Bon, je suppose que j'ai pas trop le droit d'aller là-dedans. En tout cas, c'est ce que je vais supposer pour l'instant. Oh mon dieu! It is Jantenia, my friend! De rien, hein, connard. Alors on sait pas pour... Ce sont les subs. Nous les sauvons, hein. De manière assez régulière. Mais pourquoi? Quel est leur secret? Peut-être qu'ils se rajoutent au village des subs qu'on avait vu plus tôt. Ah, Bloodborne. Ah, Sherlock FR. Mais oui, c'était Sherlock, Mathias. Ah, formidable. Mathias. Putain, Bloodborne. Ah, j'avoue, j'ai envie de tous les faire, mais Bloodborne. Je regrette de ne pas l'avoir terminé à l'époque. Parce que... enfin, je trouve que c'est un jeu formidable, Bloodborne. Mais vraiment, pour le coup. Les quelques heures que j'y ai passées, j'avais trouvé ça incroyable. Même si en effet, étant novice, ça a été la souffrance au début, quoi. Sauf que, attendez... Ah oui, on s'était amusé aussi à faire les premiers OOB du jeu. Les OOB du speedrun. Bon, attendez, là je pense que YouTube va se révolter parce qu'on n'avance pas du tout, là. C'est rigolo, on fait avancer un peu la carte. Bon, de toute évidence, The Place to Be, là, c'est en bas ou... surtout à droite, hein. En bas à droite, semble-t-il. Allons par là. Ah, bravo. Bravo, Levo. Putain, je me fais sbirifier par Jackie, quoi. Jackie le sbire. Bon, je pourrais retourner au banc, mais je refuse cette humiliation. Le pouce rouge afflue. Oui, non, je parlais pas de l'OP avec Zera, mais par la suite, on avait fait un petit peu dans Matin Mystère de Bloodborne, on avait continué à jouer. D'où les interventions
de Mathias. C'est un Metroid-like, oui, on peut dire ça, ce jeu. Allez, reconcentrons-nous un peu sur l'aventure, on avance. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. On n'y résiste pas à l'appel du Bangar. Est-ce qu'on va avoir un dash à un moment? Ça pourrait être sympathique. Kingsfield, ah mais Kingsfield, meilleur jeu de l'univers. Mais je suis dégoûté, introuvable la VOD de Kingsfield hein. C'était à l'époque où j'étais pas... Oh là, attendez. Il y a un truc, il y a un intérêt là-dedans. Alors, j'ai cru à l'éventuel passage secret. Non, faut que j'arrête d'être trop pressé, de faire de la merde en barquette. Ok. La source d'eau chaude régène ta mana, oui. Ça régène tout. Ah quoi que ça régène. Ah oui, ça c'est un régène de mana aussi. Ça ressemblait à des phallus. Il y en a certains qui ressemblent à des phallus. Ok, donc a priori, ouais, là c'est... On se dirige vers un nouveau quartier en allant par là. Avec un ascenseur. Ah mais d'accord, je peux pas rentrer là. Pas pour l'instant. Donc on va descendre en bas à droite. Ouais, clairement, ça ressemble à des phallus. La tête dans le cul, man. C'était quoi ça? Ah non, c'était Faxanadu, putain, mais oui. Moitié cul et moitié marne. Je suis tête dans le cul, man. Ah! Ça, c'est pour récupérer du mana. Ah mais non, pas trop de spoil, hein, je regarde pas. Si ça spoil, je regarde pas. Moitié cul et moitié man. Remonte à Dirtmouse Sack. Mais je fais ce que je veux. Regardez, on a trou... Ah, on a un passage qui nous mène vers le haut là. Et on a... C'est un poteau? D'accord. Il dort. Oh merde! C'était pour rigoler! My god! Oh les mecs ont aucun humour quoi. Ça, c'était pénible. Non, non. Oh my god, je vais crever, je vais tellement crever. Non, c'est bon. Paf. Qu'est-ce qu'il y a? Je me boute pas de plus. Oh mon dieu. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Inattendu, n'est-ce pas? Là, c'était un peu tendu, hein. Là, j'ai bien failli crever, mais comme il faut, quoi. Alright. Voilà. On avance. Bon, là, on se jette dans le vide, clairement. Il y a des sbires. Et on voit ce qui se passe en haut. C'est un point de sauvegarde du coup. S'il y avait un boss là, et qu'on est dans la logique Metroid, il doit y avoir un banc. Oh, il chie les petits! Ah bah, grosse ambiance! Alright. Oh merde! Putain! Fatigué. Ah, caisse. Quoi, un téléphérique? Oh my god! C'est le tromé, quoi. Ah, une porte avec un slot ouvert. Je peux. Comment j'utilise? C'est pas pour mon truc là, mon City Crest? Je peux pas l'utiliser. Parce que c'était marqué quoi ça? Ouais, ça il dit that would fit into a slot. On pourrait l'insérer quelque part. Dois-je l'insérer dans mon anus?
My god! Gros passage secret. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai défoncé le truc et j'ai rien. Y'avait rien. La vie est si cruelle. Ok. Mais y'avait pas de source chaude alors? On a l'air de bien remonter, ça se trouve, hein. On va retourner vers la ville, hein. Quand on arrive en ville. Mais putain! À quoi qu'il arrive, quand il meurt, il en lâche deux. Ok. Fair enough. Mais non. Je crois que ça me permet de prendre mes loot. Alors. Non, mais c'est chiant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est là. Non, mais il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Ah, il y a un truc pour les mecs skillés. Et y a, en plus, il y a un subs. Alors, pour sauver un sub, je ferai n'importe quoi. Et oui, c'est moi, Jackie. Allez, oui, va au village des subs. D'accord. J'ai une map, oui, j'ai une map, mais qui pour l'instant n'est pas annotée. Il faut que je trouve, justement, une source d'eau chaude pour pouvoir la mettre à jour. Et j'ai pas envie de faire le chemin derrière, j'ai envie de continuer à découvrir, tant qu'à faire. Oh, comment je l'ai défoncé, Xia ? Bonsoir, Ox Bebop. Oh mon dieu ! Bon, ça c'est possible sans pouvoir spécial. Hop. Est-ce qu'on va avoir le dash de Rogue Legacy à un moment ? Je suis chaud ! Ok, bon bah on se balade alors. Oh là là! Et ça, t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon alors j'avoue c'est la solution de feignant, hein, parce que ça serait intéressant d'apprendre leur pattern. Bon là par contre on a dû rejoindre, voilà, on a rejoint ce qu'on connaissait. Ah! Oui oui, oui oui. Mais non mais putain! Mais putain! What? My god! Un autre sub! Incroyable! Tous les subs de ta vie. Raccourcir, ouvert quelque chose. Alors, il est peut-être là notre source d'eau chaude. Je vois rien. Hein? Oh putain, c'est un séractite qui m'est tombé sur la gueule. Oh non, non, c'est mauvais plan. C'est mauvais plan. Ouais, faudrait que je retourne au village des subs. Clairement, c'est là que ça se passe. Mais je sais plus où il est. On peut aller à droite. Allons à droite. Toujours plus de caisses. Il est trop cool le jeu, faut que je finisse, j'avoue. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal plaisant. J'y crois à mort, je vais trouver ces sources d'eau chaude. Ah non, mais je suis déjà allé là. Pourquoi il est revenu? Comeback of the funky track. Simple et funky, simple et funky. D'accord. Alors je pourrais. Oh, allez, quand même. J'utilise ma magie une fois. Ce qui va me donner masse de dames, j'imagine. Ah oui, c'est vrai que ça. Merde. Chaque attaque, chaque fou. Il est revenu, Sbirman. Oui, en plus, c'est pour sauver. Bon, c'est pas grave. Il donne beaucoup de ressources, donc c'est worse. Le prochain gros RPG, calmons-nous.
Et... Ah oui, putain, mais là, c'était... Alors, est-ce qu'elle est... T'as quelque chose à nous dire depuis, chelou, mam? Oui, d'accord, ok. Oui, oui, il doit y avoir quelque chose de génial, voilà. Prends une pioche et fouille avec moi pour devenir riche. Ah oui, alors pourquoi on pouvait pas aller à droite précédemment? Previously on. Si on pouvait, mais je l'ai jamais fait. Non. On tombe ou pas? Non. Ah oui, c'était ça. Et donc là, je suis venu pour rien. Bonsoir, mademoiselle. Ok, on avait fait au milieu, c'était que dalle. J'ai raté un petit passage à droite. What? En bas, tu veux dire? Oui, non, mais en bas... Le problème, c'est que rien n'est mis à jour. Il faut qu'on retourne à la ville. Mais on est tout proche. Quand on arrive en ville... Nina, Nina, new. Previously on Lost. Incroyable. Vous avez vu ce guet-apens? Quel vain stratège! Oui, voilà. Allez, hop. Tout défoncé. Stood around. Ah, mais on va repasser devant l'église, le l'œuf. Ça se trouve, c'est pour ça. C'est pour le temple de l'œuf. Mon truc nul. Temple of the Black Egg. Ah, je peux même pas interagir avec? Why? Vraiment un beau jeu. Hein. Alors, dire que j'étais un maître de la station. Bonsoir, mademoiselle. Ce n'est pas grave. Retour à la ville. Les ennemis repopent que quand tu vas sur le banc. Oui, c'est pas impossible. Ah oui, mais elle est là. Il n'y a même pas de banc en ville. Quand on arrive en ville, il n'y a même pas de banc. Pas pour nada. Oui, d'accord, je prends ça, oui. Ah bah si, il y a un banc. Ah mais il était là, Jackie. Comment ça va, Jackie? Oh. Oh, tu as vu... Oh oui. Oh, tu as vu ce temple. Un étrange immeuble, n'est-ce pas? Oh, je ne saurais jamais y aller moi-même. Oui, les plus courageux d'entre nous, ils vont de temps en temps pour prier. Ah, ils ont dit qu'ils se sentaient en paix. À l'intérieur des murs. Mais après un moment, ils ont arrêté d'y aller. Qu'est-ce qui a changé? Bien, je ne sais pas. Ah oui. Les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. Ah oui, et donc mon truc avec... qu'on peut insérer. C'est là que je peux l'insérer? Non. Zut, alors que ça doit être un truc de début de jeu. Je sais pas que faire de mon truc que je peux insérer. Ah oui, je sais pas si... ouais, je doute qu'on voit... Qu'on arrive à un moment dans un endroit plein de couleurs. Des tons pastels. Ah mais oui, le village des sbires, il est là-bas. Mais oui, c'est vrai que si ça reste tout le temps dans la même ambiance, ça sera peut-être un peu monotone au bout d'un moment. On va au village des subs, les jeunes amis. Merde. Et on va arrêter aussi, je pense, bientôt. Faut que je bosse, toujours. Toujours plus. Et demain, j'ai une bonne journée de merde qui m'attend. Je suis serein. Alors. Oh, oui. Oh putain. Oui, d'accord. Oui. Oh là là, ah, voilà. Oh putain. Oui. Ça donne des beats. Oh, tous les beats. Mais bizarrement, ça ne monte qu'un sub en plus. Ah non, ils sont là. Il y a d'autres subs là encore. Putain, le daron, il balance les beats, quoi. Incroyable. C'est vraiment le village des subs. Ah oui, le pangolin. Il est où, l'autre pangolin? The other pangolin. C'est pas là où il y a le banc, ça n'a rien à voir.
Ah, c'est là où il montre le... Où il y a les cornes. Non, c'est là où on a affronté le vrai boss. Juste en dessous. Ah oui, c'est vrai. Quoi? Attendez. Atta, bonsoir mademoiselle. Oh my god, it is the pangolin. Quoi? Je rêve ou ma deuxième boule de feu, je me suis baisé. Oh l'innocent. Bonne mémoire, hein, bonne mémoire du placement. Eh putain merde, j'ai que 2 HP, calme-toi bien le cul. C'est beau. Ah bah tiens, on parlait d'un petit peu de changement. Cette légère teinte verte et cette végétation, c'est du plus bel effet. Ok. On doit aussi pouvoir de temps en temps, peut-être qu'on peut détruire vers le haut, vers le bas, comme dans les Castlevania. Ah oui, c'est joli. Green Path. Le chemin vert. Comme la station de métro. Sauf que c'est moins les ambiances. Incroyable. Et petite musique. On a sorti la harpe. Oh merde! Un monstre buisson! C'est Patrick Buisson! Oh mon dieu! Après Monsieur Sapin. Après Michel Sapin. Patrick Buisson. Incroyable. Ah c'est joli hein. Oh pitié c'est beau hein. Oh merde. Putain mais attendez, j'ai dû louper une info. Y avait un indice visuel qu'il allait nous apparaître sur la gueule. À mon avis, on doit pouvoir les anticiper. Qu'est-ce que c'est que ça? Belle musique, hein. Qu'est-ce qu'il me fait alors? C'est un mouton qui pète. C'est un mouton cafard qui pète. C'est un mou carpette. Ok. Daisy qui a la joie Zaishi. Ouais, y'a un peu de ça. Un peu de ces ambiances en tout cas. C'est. Putain, c'est rudement beau. Ok. Allez! Puis même, voilà, tout le parallaxe derrière, on voit qu'il y a. Très travaillé le fond. C'est simple mais efficace. Plusieurs plans du flou. Alors. Ok. Putain. Ok. Je suis serein. Beaucoup de platforming. Ah, il y a un truc caché, bien sûr. C'est comme Mario. Ah oui putain, en plus regardez l'indice visuel, il est discret quand même hein. C'est pas évident. On voit là. On voit juste par terre que oui éventuellement, voilà. Ok, ça bougeote quand on passe dessus. Je me demande s'il y a moyen de... Non, il y a pas moyen de rebondir. Ah. Ok. On peut tuer cette merde. Pas me gêner. Ok. Ah si Walker, on le voit bien en fait Patrick Buisson, c'est moi qui étais aveugle. Ok.
Le système de map qui te fait tourner en rond le temps de savoir où tu rentres, au début ça passe, mais après quelques heures c'est plus possible. Ça doit pas être si fou que ça quand même, le jeu a pas l'air de durer 100 heures non plus. Ça c'est... Plus ça va, plus il y a des petits effets de lumière, d'ambiance. Plusieurs salles, plusieurs ambiances. Ah bah tiens. Petit banc. Ah oui, mais j'ai pas la carte. Donc faut que j'aille voir Jackie la frite. Ah oui, alors là par contre, oui, ce qui est chiant, c'est si je dois retourner à la surface pour voir Jackie la frite. Et si ma seule possibilité de retourner à la surface, c'est de repasser de là d'où je viens, c'est un peu chiant en effet. S'il n'y a pas de raccourci vers la surface ici, c'est chiant. Pas besoin de revenir à la surface. Ah mais oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des vendeurs. On peut le retrouver, d'accord. Un jour, on se retrouvera finalement, comme le chantait Dorothée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la ballerine. Oh, ce rage quit. Écoutez, ça m'intrigue. Allons voir là. Qu'est-ce que c'est que ça? Paf. D'accord. Je tourne en rond. Non, je tourne plus en rond là. Ah oui, les fameuses stations de métro où j'avais pas ce qu'il fallait. Où j'ai mal fait. Ah, le bouton explosif. Patrick Buisson, non. Oh my god, putain. Bon alors oui, c'est l'aventure, c'est Tom Sawyer. Oh mon dieu. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, mais ça serait sympa de trouver Père Cafard, quoi, pour qu'il nous raconte des bobards. Il est où, Père Cafard? Trouve la station, putain, faut qu'on trouve... Ah oui, d'accord. C'est le principe de... Il faut trouver la deuxième pour que ça se mette en place. Père Cafard! Ah oui, d'accord, je pouvais défoncer ça, parfait. Oh mon dieu, oh putain, attention. Allez. Ah par contre, il me donne pas de loot quand je le tue. Comme ceci. C'est dommage. Alors attendez, j'ai un... Non, ça suffira pas, ça serait bien. Non, mon stratagème. Il y avait de l'idée, mais c'est pas comme ça que ça se passera. Alors fais voir lui. Oh putain! Ah ouais, d'accord. Voyage, voyage, quoi. Incroyable. Look at the mouton. Attendez, tout ce bordel. Ah, d'accord, passage. Ça c'est bien, ça nous ouvrira le passage pour plus tard, donc on va le faire. Des bisous, Gaywar. Gaywar. Look at Monsby. Allez! Paf, la pastèque! Ok, donc on pourrait passer par là, c'est sûrement la chose. Hein? Où suis-je? What? Ah oui, d'accord, ils m'ont fait rip-hop de l'autre côté, soit. Ah! À la bonne heure! Père Cafard! Raconte-nous des bobards! Oh! N'est-ce pas un contraste incroyable par rapport au croisement? Oh, quel endroit plein de vie, si humide. Ah ouais. Ah, et les routes, évidemment, comment dire, tournent et se tordent de manière absolument formidable.
J'ai fait de mon mieux pour cartographier cette région, le chemin levant. Mais je dois admettre que quelques habitants de la région se sont montrés assez hostiles, belliqueux. Oui, j'achète. Incroyable, du cul. Salut, Gilias. Oui, on entend un sub pleurer. Il y a un sub qui pleure, il faut le délester de son argent. Atta. Ah, d'accord. Ah, du coup, ok, marrant. On voit ce qu'il a cartographié aussi. Ah, mais je peux pas monter là. On voit que il faut faire tomber ça, là. Attendez. Il y a un truc à faire tomber, mais comment... Oh, j'y ai cru, hein. Évidemment, le petit passage secret. Le petit bonhomme en mousse. Diouf. Incroyable. Paf. TKT. On va sauver le sub. Ah. Superbe. Va rejoindre le village des subs. Ok. Bon. Tant qu'à faire, faisons les choses bien. Voilà, comme ça. Ce n'est pas grave. Je ne peux m'énerver. Faut tout faire tomber. Dans le doute, on fait tout tomber. Alban, mais non, pas tout de suite du coup. Non, on va descendre. Finalement, j'aurais dû descendre. Oh my god! C'est bon. Je sais même pas combien de temps ça fait qu'on a. Depuis combien de temps on a repris le stream. Je vais arrêter à minuit et demi, on va dire. Mais c'est bien, putain, c'est beau, putain, c'est bien. Ah! Mon dieu, moult. Comment on les appelle déjà? Les moucarpettes. Allez! Tous ensemble, ouais. Alors. Des bisous à Alish. Bonne nuit. Ah. Salutations glace. Oh là là, attendez, attendez. Ça sent les sources chaudes, ça sent la TP, ça sent le boss. Non, non. Non, c'est comme si mes pires cauchemars prenaient vie. C'est un vagina feuillu dans tata. Oh mon dieu! La bête! Ah d'accord. Mutsporababis. Non! Le chasseur donc. Petite merde. Tu t'approches sans avoir peur. Es-tu un chasseur comme moi? Oui, sens-tu cet appel interne, n'est-ce pas? De poursuivre, de tuer, de comprendre. Alors prends-moi le cul, prends-le, prends mon journal, il t'aidera. Oui, d'abord, le texte te semblera être du charabia, mais un chasseur aguerri, n'est-ce pas, arrivera à décerner le sens de ces mots. Ah oui, aventure-toi dans les profondeurs de cette contrée et tue les bêtes. Ah oui, prouve-toi digne de porter la marque du chasseur. Ok. Alors c'est quoi? Maintenant j'ai... C'est pour le bestiaire ou j'ai vraiment... Il y a des quêtes, des bounties? Oui, d'accord, j'ai le bestiaire là. Mais est-ce que c'est le délire, genre j'en tue 10? Ah oui, voilà, c'est ça. Si je bats deux fois plus de... Ah oui, cette saloperie, putain, je suis pas pressé de la revoir. Eh bien, je déchiffrerai les notes du chasseur. Ah, les notes du chasseur, c'est ce qu'il y a en bas. En bas de... Dans genre ça, on a. Genre cette merde, on en a tué assez. Inutile et pathétique. Ça ne vaut pas le coup de les tuer. Putain, génial. Il semble peu... comment dire? Peu alerte
de ce qui les entoure. Ce sont des proies faciles, du coup. Mais qu'est-ce qui les guide? Ils sembleraient chercher juste des manières de mourir. D'accord, c'est ces annotations sur les monstres. Bah, j'espère que des fois, il y a des trucs plus utiles. Ah, déjà le False Knight. Des créatures faibles adorent voler la force des autres. Leurs vies sont brèves et peureuses. Mais on s'en fout! À moins que ça nous serve à quelque chose après. Adrien Nougaret! Ah, des bisous, Adrien Nougaret! Ah mon dieu, il amène ses sbires! Oh mon dieu, alors qu'on doit faire une pause sur la VOD. C'est terrible. Et que je comptais y aller. Mais bon, la tradition veut que si moult monde... Ah mon dieu! Ok. Hop là! Down slash. C'est un Pokédex, exactement. On s'emmerde. Oh mon dieu, un sub! Wait! Oui, sublime! Va rejoindre le village des subs. Ok. Hop! Oh non, oh putain, oh le sac à merde. Mais ils sont chiants, eux, un peu. On a envie de leur casser le cul, mais ils sont chiants. Hop là. Bonjour. Go MG5, mais non, quel enfer. Hop là. Hop là. En plus, j'étais passé viteuf en stalk sur le stream de Zera, justement pendant le talk. Mon dieu. Hop là. Ah, bientôt 5, oh quel enfer. Ah! Le retour de la ballerine. Ça c'est nouveau. Oh mon dieu. Les shmups. Ok, il y a un mou carpet. Quoi, c'est celui qu'on a tué là? Putain, il a fait du voyage. La fin du voyage. On va quand même faire cette pause alors, non? Tout de même. Ça c'était prévu par contre. Oui, et puis comme ça est l'agra. Putain, quel connard. Oh mon dieu! Ah oui, c'est vrai. Et, les gens vont arriver pendant la pause, parce qu'il faut que je fasse ma pause VOD. Donc pause pub également. Donc la réaction des gens, ça va être... Putain, on arrive, c'est les pubs. Quel enculé. Connard, connard. Donc pendant les pubs, les gens, ils vont tous taper frénétiquement. Connard, connard, enculé, connard, enculé. Et quand j'arrive, au bout de 4 minutes, et bah ils sont partis. Et donc c'est bien. Hâte de te voir à la Lyon eSport, Xavier. Ah! Alors attention, Adrien. Il est possible que je devienne eSport bientôt. On est en train de me contacter pour rentrer dans la scène de l'eSport. Pas sur le jeu sur lequel on pourrait m'attendre. Quoiqu'un peu. Mais attention. Bientôt, hein, nos chemins se croiseront. J'ai envie de dire à plus en LAN, comme dirait ce fameux Cédric Page. Évidemment, au moment où les Willis se fait licencier. Bon bref, laisse un pouce bleu YouTube, évidemment, on compte sur toi. Des bisous.